Quand j'étais petit, je dessinais, comme tous les gamins, une maison avec un toit rouge, un chemin, des fleurs aux côtés. Mais contrairement aux autres, en fait, il fallait que j'aie un petit ciseau, puis que je découpe les fleurs, puis que je les fasse revenir en relief. Pour moi, il n'y a pas de différence entre un artisan et un artiste. Oui, c'est fait à la main, donc c'est un travail artisanal. Je préfère en fait qu'on parle plus de savoir-faire que d'artisanat. C'est beaucoup plus engageant, plus valorisant. On ne peint pas qu'avec la main. Évidemment, la main est importante, c'est elle qui permet la finalité de la chose. Mais finalement, je m'aperçois que je peins avec tout mon corps, quoi. Les beaux-arts, c'était un rêve de gosse, en fait. Mais je ne savais pas ce que c'était. J'aimais bien aller au musée des beaux-arts à Besançon. C'est devenu un peu une obsession, quoi. Donc, il fallait que j'y aille, parce que c'était comme le musée. Et en fait, à l'école des beaux-arts de Besançon, donc il y a 40 ans, on nous a vraiment forcés à regarder les choses, et à dessiner les choses, à vraiment à apprendre. C'est très difficile, mais c'est vraiment formateur. L'intérêt, c'est vraiment d'apprendre les choses et puis d'avoir quand même un œil critique sur son travail. Encore maintenant, je me dis, regarde ce pétale, regarde cet oiseau, est-ce que vraiment c'est ce que tu voulais faire? Puis effectivement, c'est pas tout à fait ça. Donc, on peut reprendre, on peut recommencer un petit faux 50 fois pour arriver au but voulu. Je suis toujours obligé de me surpasser. Il faut toujours que ce soit mieux. Et c'est pareil pour mes peintures personnelles. C'est toujours la dernière peinture la mieux. Pour vous expliquer les choses, si je vous regarde, je vois pas que vous. Si je regarde une maison, je vois pas qu'une façade, je vois ce qu'il y a dedans. Je vois comment elle est construite, quel style elle a, avec quel matériau elle est construite. L'intérêt, c'est vraiment d'arriver à peindre beaucoup de détails, mais savoir ce que l'œil va vraiment voir. Ce qui m'intéresse dans la céramique et puis dans l'émail, c'est qu'on transforme la matière dans le feu. L'émail a un relief. C'est vraiment une matière vitreuse. C'est du verre coloré. Et c'est ça qui est vraiment magique quelque part, c'est vraiment d'arriver à faire fondre ce matériel et puis découvrir ce qu'on a fait, aussi bien en volume qu'en peinture. Donc ça, c'est vraiment le truc qui est vraiment génial. La chimie là-dedans est tellement compliquée et tellement complexe qu'il faut savoir l'oublier. Je ne voudrais pas faire le malin, mais franchement, c'est beaucoup plus facile pour moi de peindre tout petit